Bonjour, alors aujourd'hui je vous fais un retour sur mon expérience, ma cure bol d'air jaquet. Alors, pour petite info, je reprends l'article que j'ai dédié sur mon blog à ce sujet que je mettrai, où je mettrai le lien en barre d'infos puisqu'il est vraiment beaucoup plus détaillé. Le bol d'air jaquet permet une meilleure oxygénation du sang, une hausse de l'énergie directement utilisable, une meilleure concentration. L'irrigation du corps, du cœur améliorée, la combustion des déchets toxines optimisée, un effet anti-stress, les cellules sont mieux nourries, plus de résistance aux radicaux libres, meilleure récupération après le sport ou intervention chirurgicale ou maladie, effet esthétique visible, teint lumineux, cheveux plus beaux. C'est un soin anti-vieillissement par son action anti-radicalaire, meilleure qualité du sommeil, régénération de cellules optimisées. Système immunitaire renforcé, les capacités des émonctoires sont soutenues, les transits intestinaux sont relancés, meilleure assimilation des nutriments au niveau de la cellule, meilleure régulation du poids. Alors, autant vous dire que tout ça, c'est pas du chiqué, les amis. C'est vrai que, au premier abord, on aurait tendance à vouloir se départir de l'idée que c'est un objet. Un peu machine à sous, hein, parce que c'est un objet qui coûte très cher et donc pour se donner bonne conscience ou je ne sais pas quoi, on a tendance, et moi-même je l'ai fait hein, au départ, à se dire oui mais bon, ce truc-là, ça vaut hyper cher, c'est encore un gadget, ça sert à rien, c'est plus dans la tête, etc. Donc oui, j'ai pensé ça, oui, je vous l'avoue. Mais lorsque j'ai commencé ma cure, j'ai tout de suite, mais le jour même, j'ai vu une différence en n'ayant fait que 3 minutes de bol d'air. Une séance de 3 minutes. Donc on peut monter, on peut sélectionner 3, 6, 9, 12, 15, il me semble, à vérifier si je me trompe dans les chiffres. Mais en fait, on dit toujours qu'il faut commencer doucement et ensuite augmenter parce que ça a vraiment un tel effet sur l'organisme. Qu'on va parler même d'effet détox, puisque il y aura des toxines qui vont être mises en circulation et qui vont être amenées aux émonctoires. Bref, moi j'ai pas eu de gros effets détox, parce que moi je suis quelqu'un qui fait des cures de nettoyage assez régulièrement, on va dire, hein. Mais donc j'ai pas eu de gros effets détox, mais il n'empêche que la première semaine, voire 10 jours, j'ai quand même eu un effet de fatigue. Plus fatigué. Et donc ça fait partie en effet des possibles effets détox. Encore une fois, on est tous différents et voilà, il n'y aura pas une réaction similaire à chacun. Donc j'ai fait comme ça 3 mois quotidiennement de mon bol d'air jaquet. Et le seul regret que j'ai, c'est que normalement il faut augmenter la durée de sa séance quotidienne, donc j'aurais pu monter à 6, 9, pas autant aller à 15 obligatoirement, mais au moins 6 ou 9, et moi je n'ai fait que des 3 minutes. Donc en fait je regrette parce que si j'avais augmenté, je pense que les résultats auraient été encore plus fulgurants. Bon, pourquoi je n'ai pas augmenté? En tout cas, je n'ai pas ressenti le besoin d'augmenter, c'est simplement que je trouvais que c'était un effet rapide. Et que ça ne me prenait pas beaucoup de temps, bon, 6 ou 9 minutes, ça ne m'aurait pas pris grand-chose de temps non plus, mais voilà, c'était hop, je prenais mon truc, 3 minutes, bam, et après, alors, les effets, les amis, c'est vraiment extraordinaire. Tout de suite, ça a un effet sur le teint. Le teint est unifié, le teint, il est reposé, c'est incroyable. Voilà, c'est comme quand on revient d'une très grande marche, justement, en montagne, etc., on a un beau teint, on est fraîche comme la rose. Ensuite, très rapidement aussi, ce que j'ai pu remarquer, c'est au niveau des émonctoires. Alors moi, j'ai des reins qui sont assez paresseux et c'est vrai que souvent quand je vais aux toilettes uriner, c'est très très peu coloré. Là, avec le bol d'air, j'ai tout de suite vu mes urines beaucoup plus colorées. Donc qui dit urine plus colorée, ça veut dire que les toxines sont beaucoup plus évacuées, mieux filtrées, etc. Donc j'étais trop trop étonnée, trop contente. Pareil au niveau en effet de tout ce qui est intestinal, beaucoup mieux, évacuation beaucoup mieux. Enfin mais c'est incroyable quoi, mais vraiment
Moi, j'étais très sceptique, et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très sceptiques, mais moi, par mon expérience, vraiment aujourd'hui, le bol d'air me manque parce que j'ai dû le retourner. Alors oui, je l'ai retourné parce qu'en fait, je pouvais le racheter à prix de seconde main. Donc il faut savoir qu'un bol d'air neuf vaut 1650 euros et un bol d'air de seconde main vaut 990 euros. Il y a des possibilités de paiement par plusieurs fois. Je crois même qu'actuellement ils ont mis en place, avant c'était 4 fois, maintenant ils ont mis 10 fois. Donc c'est pour vous dire qu'ils font vraiment beaucoup d'efforts pour que ça soit accessible plus facilement à chacun. Mais autant vous dire que moi je voulais absolument, absolument le garder. Hein. Ça c'était clair et net. Sauf que il fallait bien que j'en vienne à l'évidence que j'allais déménager, que je n'avais pas en plus d'endroits fixes de prévu là dans les 2, 3 mois, 4 mois qui viennent. Je ferai sûrement mon gîte, etc. Donc je ne me voyais pas trop trimballer le bol d'air. Et puis d'autre part, il y a eu un coût financier supplémentaire inattendu, c'est que j'ai eu un chat qui a eu un AVC, et donc je me suis engagée à lui payer des croquettes spéciales, etc. Tous les mois. Donc, enfin, le temps qu'elle vive. J'espère qu'elle vivra longtemps. Donc voilà, donc en fait, c'est pour cette ces raisons que je me suis dit non, ben non, c'était pas le bon moment, et puis j'ai pas envie d'acheter un bol d'air et puis de pas m'en servir, enfin, et risquer peut-être qu'il s'abîme lors d'un trajet ou de quoi que ce soit ou chez quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc du coup, c'est vraiment à contre-cœur que j'ai envoyé ce bol d'air, et vraiment, il me manque et j'ai vu la différence quand je ne l'utilise pas. Alors, c'est un appareil qui n'est pas, qui ne crée pas d'accoutumance, certes, ça s'est reconnu. Mais moi, j'y suis accoutumée dans le sens où j'ai des bienfaits réels et visibles rien qu'avec 3 minutes par jour. Donc imaginez-vous bien que j'ai envie d'en profiter, de recréer ça pour ma santé, pour mon corps et pour mon équilibre. Donc voilà, mais je suis tellement, tellement reconnaissante d'avoir eu cette possibilité malgré tout d'avoir le bol d'air 3 mois parce que vraiment, ça tombait en plus de manière extraordinaire à un moment donné. Où justement j'étais en reconstruction, mon corps allait mieux, mais voilà, c'est venu renforcer ça. Vraiment, je suis mais hyper hyper reconnaissante. Et vraiment, si vous voulez tester le bol d'air, vous pouvez aller dans des centres de bol d'air, vous pouvez trouver des bols d'air, des séances que vous proposent des naturopathes parce qu'ils ont le bol d'air à leur cabinet. Vous pouvez aussi louer le bol d'air, donc justement, ça va être 150 euros le mois avec la bouteille qui accompagne. Mais là, je vous dirais, c'est vrai que autant, je veux dire, une fois qu'on commence, vous allez voir, on ne peut plus s'en passer. Hein, c'est, bon, voilà, vous allez me dire, oui, mais ça crée une nouvelle dépendance. Oui, mais bon, voilà, c'est un fait. C'est vraiment, enfin, moi, je dis par rapport à mon expérience, c'est vraiment très efficace. Et oui, on m'a dit plusieurs fois lorsque j'utilisais le bol d'air que j'avais rajeuni. C'est un des premiers trucs qui est ressorti sans même que j'en parle ou quoi que ce soit, c'est que j'avais rajeuni. Ça, on n'arrêtait pas de me le dire. Et moi, j'étais là, je me disais, ah oui, mais je pense qu'il y a une très très grosse raison, c'est qu'en fait, c'est reconnu que le bol d'air, justement, a ce côté antioxydant et qui rajeunit les cellules, quoi, parce qu'elles sont mieux nourries, elles sont plus oxygénées. Et on ne se rend pas compte, mais l'oxygène est une alimentation essentielle pour nous et pour nos cellules, nos organes. Et ça fait une différence énorme. Et moi, je vis en région parisienne, dans une ville polluée, je n'ai pas de jardin et je vis souvent, j'ai une vie très sédentaire. Et je n'ouvre pas assez mon thorax pour respirer correctement. Et je ne respire pas correctement. Je suis toujours une petite respiration minimale là, comme beaucoup de gens. Donc, autant vous dire que voilà, c'est dans ce type de situation que le bol d'air, c'est juste une délivrance. Enfin, c'est un truc incroyable. Donc, bon, oui, ça vaut cher. Oui, c'est onéreux. Oui, c'est pas accessible à toutes les bourses. Mais je trouve en tout cas que Holist, la société qui vend cette machine, fait, je trouve quand même pas mal d'efforts quand ils m'ont parlé du paiement en 10 fois. Parce qu'avant c'était en 4 fois, j'ai trouvé que vraiment il faisait pas mal d'efforts pour que les gens puissent vraiment accéder à cette machine de bienfaits pour la santé et que ça soit entre guillemets plus abordable et qu'au bout de 10 mois, eh bien, la machine appartienne à la personne qui a donc payé 150 euros tous les mois.
Que vous dire de plus? Vraiment que je ne peux que vous encourager de découvrir cet appareil. Et voilà qu'il y a vraiment toutes sortes de choses qui sont à notre disposition, à la disposition de notre santé. Bien sûr, c'est mieux et ça n'empêche pas, bien sûr qu'on s'entende, ça n'empêche pas du tout le fait de sortir dehors, de sortir se promener. Je veux dire, c'est pas juste on fait le bol d'air 3, 6, 9 minutes et puis on fait plus rien et puis on ne sort plus dehors et puis on ne sort plus en nature et je ne sais pas quoi. C'est un équilibre, c'est pour un équilibre de vie bien évidemment. Donc évidemment que je vous conseille de sortir vous promener en nature, il faut vraiment être en contact avec notre mère nature, c'est ce dont on a besoin pour notre équilibre de santé, pour nos cellules, pour nos organes et je peux vous dire que justement en voyant l'effet que pouvait avoir le bol d'air en seulement 3 minutes, hein, 3 minutes c'est rien du tout, bah, c'est là où on se dit oui, bah oui, il faudrait qu'on soit beaucoup beaucoup plus vigilant à cet oxygène, à cette respiration, à cette oxygénation extérieure, voilà, dans la nature, dans la forêt, dans des espaces verts. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura informé en tout cas sur cette expérience et peut-être vous donnera envie de tester vous aussi. Mais surtout, je vous donne rendez-vous dans l'article hein, que j'ai dédié où je vous réexplique tout cela plus en détail et c'est aussi notre façon de partager cette expérience. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.